le cocardier qui entre en piste à pronom Quieto. Il appartient à la manade des Termes. Il est porteur du Le Cocarde et de Deglan primé 60 euros chacun. Le Quieto est marqué du numéro 381, il est âgé de 11 ans. Monsieur le MTP, location de nettoyeur haute pression, 2 euros de plus à la cocarde. Cherokee, les rôtis sur le marché de Moguro, 2 euros de plus. EC Automobile, 22 véhicules à Moguro, 2 euros de plus. Mad Carrosserie et Mécanique à Moguro, 2 euros de plus. Le premier gain, 60 euros pour le rasoteur du CFL, la Bougon. Le capteur et le trident porte la cocarde à 70 euros. La coupe de la cocarde à 70 euros pour le rasoteur Vincent Marignan. La cocarde est maintenue à 70 euros après la coupe. La cocarde, 70 euros pour le radoteur Joachim Cadona et le... Alors c'est le premier gland, 70 euros pour le radoteur Joachim Cadona et la cocarde à 70 euros pour le... à 60 euros pardon pour le... Non, 70 euros la cocarde pour le radoteur Jérémy Aliaga et 60 euros le premier gland pour le radoteur Joachim Cadona. Première officielle. Parfum de fleurs à fleuriste à Moguro, 2 euros de plus. Octave Meignier, primeur sur le marché, mardi, jeudi, dimanche, 2 euros de plus. Art Construction à Moguro, 2 euros de plus. Optique 2000, Grand Rue à Moguro, 2 euros de plus. Intermarché à Moguro, 2 euros de plus. Monsieur Pierre Martin Chasseau, conseiller municipal, porte la première officielle à 70 euros. Le bar Le Petit Camargué, 2 euros de plus. Ifidor, traiteur à Mugaison, 2 euros de plus. Tracy Frère, ferronnerie à Moguro, 2 euros de plus. Le Café du Midi à Moguro, 2 euros de plus. La Marcasier paysagiste à Moguro porte la première ficelle à 80 euros. Brito Fabio, façadier à Moguro, 2 euros de plus. Le Corner Pub, Grand Rue à Moguro, 2 euros de plus. Le Bar du Commerce, Grand Rue à Moguro, 2 euros de plus. Art Construction, maçonnerie générale, 2 euros de plus. Le Bellissimo, boutique de vêtements à Palavas et sur les marchés, porte la première officielle à 90 euros. Les frères Loras, plombier à Moguro, 2 euros de plus. Didier Tassar, assurance, 2 euros de plus. La maison du four, charcuterie à Moguro, 2 euros de plus. Guy Hockey, agence immobilière à Moguro, 2 euros de plus. Et M. Yvon Bourrel, maire de Moguro Cardon, et le conseil municipal porte la première ficelle à 100 euros. Le bar de Mistral, restauration tous les milieux et semaines à Moguro, 2 euros de plus. SMEE, Zac de la Louvade à Moguro, 2 euros de plus. Comptoir de crédit, rachat de crédit à Moguro, 2 euros de plus. HDPI, extincteur, 2 euros de plus. La carrosserie Subtol, 2 euros de plus.
Serre d'un fruit et légumes Mondio porte la première ficelle à 110 euros. La maison va être vendue à Mondio 2 euros de plus. Stéphanie et Jeanne par le Mistral, la siège du Cap Touraine Tridane, 2 euros de plus. CGME, matériel électrique, 2 euros de plus. Art et beauté, Nathalie Viana, à Mondio 2 euros de plus. La boulangerie des Grands Cosses sur le marché le dimanche porte la première ficelle à 120 euros. L'atelier 248, 2 euros de plus. Optique 2000, Grand Rue à Mondio, 2 euros de plus. La boutique Simone, 2 euros de plus. Le quotidien Midi Libre, La Provence, partenaire du Trophée Touraine, 2 euros de plus. Salmoron, pompe funèbre, Mondio, 2 euros de plus. Monsieur Nicolas Triol, président de la Fédération française de la course camarguaise, porte la première ficelle à 130 euros. Les pépinières Ruiz, 2 euros de plus. Samal, boucherie, charcuterie, Mondio, 2 euros de plus. Le restaurant Le Matisse, à Mondio, 2 euros de plus. Jane et Valérie, salon de coiffure à Grand Rue à Mondio, 2 euros de plus. La carrosserie Niani à Mondio, 2 euros de plus. Et le capturel de Trident porte la première ficelle à 140 euros. La carrosserie Niani, 5 euros de plus. Et SARL Bat 2R avenue Buisson Bertrand porte la première ficelle à 150 euros. Jeff Serda, rénovation et carrelage à Mondio, 2 euros de plus. Stéphane Paris, Paris de l'Or Magazine, 2 euros de plus. Intermarché à Mondio, 2 euros de plus. Le Capturel Le Bio de Mondio, 2 euros de plus. Le Siquarium du Gros du Roi, 2 euros de plus. L'Aglo du Pays de l'Or qui soutient la course camarguaise porte la première ficelle à 160 euros. Le journal de la Marseillaise, c'est Chronique Taurine, 2 euros de plus. L'école de raseteurs de Mondio, 2 euros de plus. Les constructions Boix David Pastor, 2 euros de plus. Club Touraine Le Melgueil, 2 euros de plus. Au 2 euros, boucherie traiteur à Mondio, 2 euros de plus. Madame Moulin Trafoir, adjointe déléguée à la culture aux manifestations de Taurine de la ville de Mondio, porte la première ficelle à 170 euros. L'Union des clubs touraine médoriens, 5 euros de plus. La feuille d'or bijoutier créateur dans la Grande Rue à Mondio, 5 euros de plus. EARL, le plan Pérez, plan et plante à Mondio, 5 euros de plus. La maison Valette, boulangerie, pâtisserie, Grande Rue à Mondio, 5 euros de plus. Marc Bourré, boucherie, rue de la Motte à Mondio, 5 euros de plus. Le garage Philippe Meignier, les Garrigues à Mondio, 5 euros de plus. Yves Mathé, artisan maçon à Mondio, 5 euros de plus. Et le capturel de Trident porte la première ficelle à 200 euros. Patrick Bousquet, expert comptable à Mondio, 5 euros de plus. Cabo Vin, vin et tapas à Mondio, 5 euros de plus. Hydro-Sud de Montassel, piscine Espar, les gens de reste Mondio, 5 euros de plus. Et les arènes du Gros du Roi, et sa grande course du 15 août avec le radoteur Joachim Cadona porte la première ficelle à 220 euros. Joe et Samir, les gros vainqueurs de Mondio, 5 euros de plus. La bande Los Chisparos, 5 euros de plus. Henri, l'ami des raseteurs, 5 euros de plus. ABV, club de pétanque à Beaucaire, 5 euros de plus. La bande La Familia, 5 euros de plus. Et le club Touraine de Trident porte la première officielle à 240 euros. Monsieur Yvan Bourrel, maire de Mondio-Carnon, le conseil municipal, porte la première officielle à 250 euros.
La feuille d'or, bijoutier, créateur, grand bruit à Moguio, 5 euros de plus. ERL, PRS, plein et plein à Moguio, 5 euros de plus. La bande Mime, Meggy, Melgueil, 5 euros de plus. Olivain, boulevard de la démocratie à Moguio, 5 euros de plus. La belle meilleure boulangerie pâtisserie à Moguio, 5 euros de plus. GMTP, location de nettoyeur haute pression, porte la première ficelle à 280 euros. Giroki, poulet rôti sur le marché de Moguio, porte la première ficelle à 290 euros. Monsieur Yvon Bourret, maire de Moguio, le conseil municipal, porte la première ficelle à 300 euros. Parfum de fleurs, fleuriste à Moguio, 5 euros de plus. Octave Meignier, primeur sur le marché de Moguio, mardi, dimanche, 5 euros de plus. Art Construction 34 à 5 euros de plus. Optique 2000 à Grand Rue à Moguio, 5 euros de plus. Pierre Martin-Chazot, conseiller municipal de la ville de Moguio, porte la première ficelle à 320 euros. Le bar Le Petit Camarguet, 5 euros de plus. Isidore, traiteur à Mulhouse, 5 euros de plus. Un Tracy Frère, ferronnerie à Moguio, 5 euros de plus. Le café du midi à Moguio, 5 euros de plus. Marc Casier, paysagiste à Moguio, 5 euros de plus. Et le capteur et le tri remporte la première ficelle à 350 euros. Isidore, traiteur à Mulhouse, à 5 euros de plus. Tracy Frère, ferronnerie à Moguio, 5 euros de plus. Marcadier, paysagiste à Moguio, 5 euros de plus. Brito Fabio, façadier à Moguio, 5 euros de plus. Le corner peut prendre à Moguio, 5 euros de plus. Le bar de commerce à Moguio, 5 euros de plus. Et le capturel de Trident porte la première ficelle à 380 euros. Art Construction, maçonnerie générale à Moguio, porte la première ficelle à 390 euros. Monsieur Yvon Bourrel, maire de Moguio, pardon, le conseil municipal, porte la première ficelle à 400 euros. La maison du four charcuterie à Moguio, 10 euros de plus. L'atelier gourmand à Moguio, 10 euros de plus. Les frères Loras plombier à Moguio, 10 euros de plus. Guy Hockey, agence immobilière à Moguio, 10 euros de plus. Le bar de Mistral, restauration tous les midis en semaine, 10 euros de plus. SMEE, Zac de la Louvade à Moguio, 10 euros de plus. Le comptoir de crédit, rachat de crédit à Moguio, 10 euros de plus. Carrosserie Subtol, la zone de Fréjorgues, 10 euros de plus. Certains fruits et légumes à Moguio, 10 euros de plus. La maison Valette, Grand Rue à Moguio, 10 euros de plus. Et le capturé Le Trident porte la première ficelle à 400 euros. À 500 euros, pardon. Le Bellissimo, boutique de vêtements à Palavas sur les marchés, 10 euros de plus. La maison Valette, Grand Moguio, porte la première ficelle à 520 euros. Le Cap Torin Notre-Dame la porte à 550 euros.
Monsieur Yvan Bourrel, maire de Mogio-Carnon, le conseil municipal, porte la première ficelle à 600 euros. Messieurs les rasoteurs, dernière minute de course. Oh!